Bonjour, bonsoir à tous les amis qui ont regardé télévision Pacifique dans l'heure ça, dans l'heure émission l'interview. Nous comptons rentrer la caillou, j'en sais toujours. Jeudi avec sur plateau, c'est Wilfried Gilles, les mêmes qui sont spécialistes en formation en sciences de l'éducation. Donc, jeudi, c'est lui qui est sur plateau l'interview. Nous comptons gagner dans l'émission jeudi. Bonjour Vernal et bonjour aux auditeurs, aux auditrices de la radio Pacifique, spécialement téléspectateurs, téléspectatrices, télépacifiques, notamment fans, émission L'Interview. J'aimerais ça dire, c'est un plaisir pour nous gagner aujourd'hui. Mais avant même, nous avons dit tout le bagaille qui te nous dit que nous connaissons que système éducatif haïtien depuis des décennies, son système qui est très très critiqué parce que souvent on a fait face avec des problèmes d'ordre structurel et conjoncturel, tout ça, et qui gagne des impacts très très négatifs sur le mode d'éducation que je dis, on a baïti mounio. Avec Gilles Matéan, nous parlons tout ça et avec, mais avant, qui te nous dit une minute, est-ce que capable de dire, zami qui a regardé télévision Pacifique dans le ça, qui est-ce qui, Wilfried Gilles, qui mounio même? Merci pour la question. Et bon, comme on dit, moi c'est Wilfried Gilles. Et moi gagne un diplôme de licence en sciences de l'éducation, option sciences sociales. Et actuellement là, m'a fait une maîtrise encore en sciences de l'éducation, option politique éducative. Justement, c'est parce que nous constatons que le système n'a limité des spécialistes pour agir sur le problème que nous constatons. Et c'est ça, je pense que nous pourrons le dire à travers l'émission, nous pourrons former le public là et former exactement de quoi s'agit-il, surtout dans le système éducatif là. Système non, constat dit que le système n'a besoin de spécialistes. Ou même, Monsieur Gilles, ce qui constat qu'il fait? Bon, constat est clair. Nous constatons que le système éducatif là, de nos jours, alors, il n'y a pas de gens plus mal que j'en lis qu'on y a. Et son constat qui est clair, que tout le monde, well, nous dit que les WAPGA des formations qui cap, exactement dans le système, nous voyons clairement le système est malade. Et ce n'est pas seulement formation, il faut nous voir tout aspect qui gagne ou bien qui charrie dans ce système. Si nous regardons comment tout le monde à l'école, comment, quelle formation qui recevoir. Et qui moun ka formé yo? Et qui est-ce qui responsable yo an dan institution scolaire sa yo? Donc nous remarqué li chargé ak problème. Et pour me dire un bagay simple, enquête que nous fait an dan système nan, nous remarqué effectivement système nan malade. Parce que l'on a gardé des moun qui là comme responsable établissement scolaire ou bien directeur d'école yo, nous constater yo pas gagné formation adéquate. Comme si formation que système n'a comme si mandé pour mon n'a été capable yon dirigeant effectivement donc li pa gagne et les nous garde tout enseignant qui a fait couyo donc c'est à deux piliers mais nous garder encore une fois c'est pas des monde qui gagne formation requise justement pour former ti monde nous en bonne et difforme. Problème de formation continue ça que n'a fait face dans système n'a qui est-ce qui est responsable? Est-ce que c'est l'État qui t'a dû gérer ça? Est-ce que il y a des dispositions? Ou du moins, est-ce que dans la politique éducative que nous gagnons, si nous gagnons, est-ce que il y a des critères que nous avons dit qu'on sait par rapport avec tel critère au monde capable de gagner en l'école? Je vais répondre très clairement parce que la question est simple et ceci est de grande importance. Pour qui ça? Qui est-ce qui régularise le système éducatif là? D'abord, nous t'ai dit dans un premier temps c'est à le gouvernement soi. Ça dit c'est lui-même qui connaît qui politique éducative qu'il a mené pour le permettre que ti moun yo recevoir un enseignement de qualité. Mais maintenant nous gagne éducation nationale qui là en dedans qui t'a doué gagner des formateurs qui là pour former des enseignants et qui fait formation effectivement formation continue ça pour enseignants en dedans système là. Pour qui ça? Justement, ça nous t'a appris il y a 15 ans, 20 ans de cela. Il n'y a presque pas de mise encore. Parce que le monde a évolué. Le monde a bougé en matière d'éducation. Donc, nous dit que ça, en dans le système, nan, effectivement, l'éducation nationale t'a doué prendre en charge formation continue des enseignants. Pas seulement formation continue des enseignants, aussi formation directeur, yo, personnel administratif. Là.
Mais nous dit qui ça? Dans un moment ça, l'État ne vient pas prendre responsabilité pour faire formation effectivement continue pour les enseignants. Ou regarder, il y a des institutions parallèles qui font formation. Et secteur privé, qui c'est majorité, même dit 80-90% qui gagne l'école en Haïti, justement, ils ont utilisé l'autre couloir pour faire formation continue pour enseigner. Mais côté l'État, il néglige totalement formation des enseignants. Donc c'est ça qui fait nous dire comme ça clairement. Effectivement, en dans l'éducation nationale, il y a un système qui met en place là, qui a dû former enseignants, mais qui n'a pas joué là réellement. Donc, nous sommes obligés à servir avec l'autre formateur pour venir faire formation pour enseignants dans la salle de classe. Est-ce que y a des critères qui disent, bon, avant ou bon l'école, mais qui ça un le mandé, deux mais qui ça lié, trois mais qui ça lié, ou du moins si je me suis levé matin là, je décide de faire des chambres carrées, mettre l'école là-dedans? Malheureusement, on moun en Haïti jodi a li rentre li enfermé effectivement deux chambres kay li font l'école. Pourtant c'est pas ça ministère a mandé. Ça ministère a dit ministère a dit clairement que pour on moun gen on l'école d'abord yo pas mandé pour éducateur ou bien normalien pour gon l'école mais yo mandé faut gon minimum gen droit ou gen droit gen n'importe qui formation. Mais est-ce que formation qu'on gagne lui permet qu'on ouvre l'école? Nous dit non. Mais si pas gagne formation pour permettre d'ouvrir l'école, ou capable de chercher formation. Par exemple, gon cours qui est administration scolaire, gestion et administration scolaire. Exactement, gagne en Haïti qui permet que moun qui voulait diriger yon l'école, li capable bien administrer l'école ça parce que on directeur l'école. D'abord, li doit gen formation en administration scolaire. Il doit gen formation dans aspect pédagogique là parce que faut que li connaît tout ça qui a passé en dans enseignement apprentissage là. Et faut que li gagne c'est ce qu'on appelle un bagage qui est les relations avec communauté là. Parce que s'il pas gen relation avec ministère là, communauté dans l'immédiat justement li pas gagné capacité pour bien administrer l'école là. Mais ministère a résout problème ça en partie malgré li dit faut directeur gagne formation mais li mandé directeur là faut que li gagne un directeur pédagogique qui formé dans système là qui permette comme si enseignement apprentissage qu'a fait dans salle de classe là pour directeur pédagogique là gagne mémise sous li pour contrôler via les enseignants. Donc formation on l'état pi bon si directeur là gain formation pour administrer l'école mais si par hasard li pa gagnel yo exiger fòk li gagnen yon directeur pédagogique pour permettre ti moun yo mieux apprendre des conseils avec enseignant. Mais maintenant qui ça qui la cause laisser grainer ça dans système là est-ce que c'est parce que l'état gon côté li quitter trop espace qui fait tout le monde choisir l'école, tout le monde fait l'école, et critères, ça l'État baille pas souvent respecté. Effectivement, l'État nous a dit qu'ils ont laissé aller. Laissé aller, et ceci dans tout domaine en Haïti. Elle vient plus mal dans l'éducation. Moi, je dis ça immédiatement. Téléspectateurs, téléspectatrices pacifiques, vous comprenez ça? Immédiatement, ou quitter société a influencé l'école là donc société a charrié en Haïti côté nous y actuellement là li charrié un paquet de bagaille qui pas bon qui négatif et immédiatement li aller avec yo en dans système éducatif là c'est ça qu'faut gè système ça qu'on y a là mais si c'est éducation qui influencé société a nous bon garanti nous te ka gen plus ou moins un système qui est acceptable maintenant qui ça nous le dit pas là laisser aller à l'état pas prendre responsabilité et c'est ça qui fait n'importe qui monde qui pensait pour le faire business jodi pour le gagner l'argent pour le fond l'école on pas l'exico on l'école qui rentre à 8h qui gon récréation
et qu'a terminé à midi. Qui ça ou dit si moun sa apprenne? Ou dit le pot kop bay responsable l'école là. Mais li pa apprenne rien parce que l'école li pa uniquement on a fait des connaissances. Mais faut que nous wè côté affectif ti moun yo. Environnement ti moun nan. Donc faut que nous capable développer talent ti moun nan. Ti moun sa ki pa capable comme si ki nan l'école là. Gen doit c'est sport li tan vie fait. Gen doit c'est football, basketball. Mais est-ce que gen espace pour permettre ti moun sa vinn yon sportif demain? Et l'école la mande ça. Mais Jean Noël l'école créée en Haïti, nous d'accord avec nous, pas de moyens pour développer talent ça que nous gagnons dans pays. Haïti, qui méthode d'enseignement que nous utiliser? Nous connaissons Montessori ou connaissons pas? C'est qui méthode même nous-mêmes nous utiliser? Bon, effectivement, vous parlez de Montessori, lui-même lui plus basé sur Timoun. Petit. Donc on parle de rythme d'apprentissage. C'est-à-dire chaque petit monde a un rythme d'apprentissage. OK. Mais je dis nous parler de enseignement direct. Enseignement direct là veut dire tout simplement côté le professeur est au centre de l'enseignement. C'est-à-dire c'est lui qui donne comme si c'est lui-même qui baille toute bagaille. Ça veut il dire donne là. Tout. Donc ça veut dire automatiquement enseignement enseignant ça rivé dans salle là ti moun yo comme yon récepteur y a tande parce que enseignement basé sur lui mais gon deuxième qui c'est enseignement indirect. Indirect là veut dire que ça côté ti moun nan pas vide effectivement li gagne des connaissances mais jan li gagne yo li besoin yon encadreur li besoin yon aideur yon accompagnateur justement qui pour permettre li hein extérioriser ça le gagner. Mais maintenant qui ça un professeur t'a doué il t'a doué un encadreur c'est ça t'a doué il t'a doué un encadreur il t'a doué un accompagnateur il t'a doué un aideur pour un petit monde parce que petit monde dans l'aile dans ça c'est lui pour faire comme si participer dans propre savoir lui pour qui ça participer dans propre savoir parce que automatiquement mettel dans une situation d'apprentissage l'a créer propre savoir. Enseignant rôle c'est ça pour le faire c'est aider ti moun à créer propre savoir pendant l'encadré. Je dis à qui ça qui la cause que système éducatif haïtien même c'est comme quoi qui vient permettre que je dis à nous un échec continu dans système là. C'est comme quoi c'est tourner n'a tourner au lieu que nous avancer. Est-ce que nous arrivons identifier raison yo? Après, on enquête, bah, on se permet maintenant au niveau ADNE, Aide au développement national en éducation, justement. Nous remarquons en Haïti actuellement, même dans le budget éducation nationale, ou après, l'école pas priorité l'État. Éducation même pas priorité. Tout d'abord, éducation, il faut que nous disions que nous commençons dans la famille. Mais la famille de nos jours, nous avons qui éducation que ou ka bay petit tout ou ka bay petit ton éducation en dans la caou mais immédiatement sorti dehors ou obligé refaire éducation encore parce que environnement pas propice environnement pas permettre que li kembe so bali en termes d'éducation familiale. C'est ça que fait nous dit l'État pour être capable effectivement régler système éducatif là faut commencer dans famille. Et pour nous commencer dans famille, il y a un paquet de bagages pour nous faire. Ou t'a dit cause yo, yo en pile. D'abord premier, deuxième, troisième cycle en dedans loi constitution haïtienne là, l'État te de bail ti moun l'école gratis, c'est qui pas fait. Ou d'accord même jodi an l'école c'est yon nan bagay qui rend parents haïtiens pauvres. Et ceci même si moun sa ou voye l'école kay ti Georges par exemple parce que une équipe l'école en Haïti ne va konn ki nou gen or m'pa même konn ça la recevoir en termes d'éducation mais immédiatement l'État accrédite l'école ça pour dire li capable ouvrir pour fonctionner donc l'État participer dans ce système là et ceci
cause yo yo là automatiquement moins gon l'école. L'État a même dit mais qui ça pour gagner pour gon l'école. Or lui même lui pas respecté yo. Donc ça dit on moun qui ouvre l'école, il dit même si l'État pas bon accréditation, donc on va le faire si moun moi aller examen son l'autre l'école. Mm-hmm. Est-ce qu'on comprend? Mm-hmm. Donc cause yo en pile, par exemple dans grid nous t'ai réalisé nous aller dans établissement au même nous poser professeur aux questions. D'abord, il y a là dedans qui dit ah, c'est parce que nous pas de joindre rien. Et comme nous le système dans ça li plus facile pour nous être capable kembe un standard. En attendant, nous jeune notre travail, nous obligé venir enseigner. Donc il y a des professeurs qui en transit. Ah oui, et ceci c'est grave. Les un professeur a cherché travail et puis l'a fait connaître salle de classe. Qui sont pensés pour le faire pour tout le monde ça rien et directeur d'école là lui dit lycée yon avocat par exemple yon comptable la géron l'école or ministère l'a dit ou ka géron l'école mais faut que ou gon directeur pédagogique qui gagne formation mais li pa gagne elle on la géré l'école là et de l'autre élément que nous met en place élèves yo nous interviewer yo tout nous poser des questions qui permettent que nous wè qui degré problème ça y est en Haïti en dans système là et li malade en pile côté timouni abdou clairement professeur qui doit venir dans salle là li ba un exercice et puis li chita derrière jusqu'à ce qu'elle arrive et puis l'aller donc côté rôle catalyseur là côté rôle facilitateur là côté rôle dépisteur là pour enseignant. Donc dans situation ça cause yo en pile mais qui est-ce qui à la base situation ça c'est l'État haïtien parce que via les inspecteurs hein yo pas fait travail yo ou ka comprendre un inspecteur qui gagne plus de 200 l'école ou bien yon commune qui gagne pile l'école sous compte li pour yon mois que li pas ka wè yo vraiment ça veut dire que premier problème système là c'est pratiquement même l'État. Même l'État. Okay. Vous dit bien. Je dis là si par exemple nous t'a dit comme ça que système éducatif nous gars là son système qui t'a dû réformer. Côté où t'a dû commencer. D'abord forme du bien parce que question c'est me penser li très bien posé. Pour nous t'a commencer d'abord c'est dirigeant yo. Parce que fok dirigeant ou dit qui type de société qu'on besoin l'offre établi qui genre de société au besoin qu'on va choisir qui type de citoyen qu'on besoin parce que c'est principe c'est loyaux qui va l'établir société a mais qu'on y a qui est-ce qui pour ancrer dans ba ça mais c'est moun qu'on va le former maintenant comment faire où faire quand faire c'est de ça qu'il s'agit maintenant immédiatement l'État a dit que mais ça nous besoin faire dans dans système là ca bon pour société à dans un temps bien déterminé qu'on y a ou pour le bail ou pour permettre que si moun sa yo rentrer dans l'école que ou même l'État choisi pour faire apprentissage si moun sa yo mais tout ça ou pas jamais possible si formateur yo moun ka fè formation pour enseignant yo ou bien enseignant yo pour yo pa jwenn formation ki yo bezwen a li pa possible an nou gadon bagay l'état a vini a nouveau secondaire ça nou rele S1 S2 S3 S4 mais ki sa nda di nan sa et li généralize l or ça vini rann ke nou gòn éducation à double vitesse et ceci nou pa lwè sa pi devant. Enseignants yo pas formés pour nouveau secondaire. Pas de matériel didactique disponible pour travail sa fait. Donc, les pas gagné matériel disponible, enseignants yo pas formés. Qui j'en parle parler de nouveau secondaire. Or nouveau secondaire là, c'est comme si me dégage son école professionnelle. Mais maintenant il y a de graves conséquences. Conséquences. La quantité à pas prendre, chaque monde n'a pas prendre à faire pareil. C'est exact. Donc c'est ça que vient faire nous gagnon on j'en t'a dit là, on l'école à double vitesse. L'école à double vitesse, me ka dit il a longtemps.
gen yon tip de l'école ka formé yon tip de citoyen qui t'a semblé comme si société a d'accord c'est ça qui bon. OK, mais gon l'autre tout ka formé moun ki pi ba yo ki nan quartier défavorisé yo, moun ki pa capable yo. Pa capable yo. Donc, yo gon formation ki a recevoir. Maintenant, moi bon garanti ou pa ka fè socialisation ça vrai parce que d'abord nan famille nou ta de recevoir une éducation familiale qui même qui permet nous intégrer grande société qui est la nôtre. Mm-hmm. Justement pour nous familiariser, pour nous socialiser nous ensemble. Déjà li manke. Or l'arrivée dans l'école là encore, ça ti moun ki nan l'école qui plus ou moins de qualité à recevoir là, ça qui pa gagner même nan recevoir. Donc ouais, li totalement impossible pour yo fonctionner. Mm-hmm. Est-ce que jodi an l'école pour tous capable permettre que nous résout inégalité qui gagne dans société? Moi t'a dit de préférence l'école n'a pas parlé qui dit l'école pour tous là, il était mal parti dès le départ, d'accord? Non, on va parler de l'école pour tous qui te gagne récemment là. Ah, très bien. On va parler de l'école pour tous comme si dans tout pays l'état gagne droit pour garantir une éducation pour moi, une éducation qui bon. L'état je dis t'a dû en charge faciliter. Tu dois gagner l'école privée, tu dois gagner l'école publique qui répond avec exigence que la constitution lui-même lui fait. Très bien. Si je dis hein, on te gagne droit choisir vos petite dans l'école privée parce que me voulais la donner, mais c'est pas parce que ça l'état pour frime n'a pas de qualité du tout quand même. Effectivement, moi apprécier commentaire là et lui bon parce que l'état doit gagner l'école qui est uniforme. C'est-à-dire ça ti monde qui en bas recevoir, ça monde qui en l'air recevoir faut au même. J'en dis là, en termes de fréquentation, je dois choisir, je dois moyen, je dois avoir petit pas dans l'école que je trouve que fréquentation qu'elle doit faire, elle peut faire. Mais base là, en termes de formation, en termes d'enseignement, apprentissage, à noter. Parce que lorsqu'on parle d'enseignement, apprentissage, c'est double mouvement. Il y a l'enseignant d'abord et l'apprenant. L'apprenant, c'est un échange qui peut faire entre eux. Mais ou d'accord avec moi? Moun ki pi ba yo, lò genye 3 heures de temps non journée pour faire l'école pour enseigner un petit monde ko do ka fè 3 matières ou bien 2 matières ou d'accord avec pa gen temps pour faire échange. Or l'école ça jodi an l'école pour tout ce que n'a parlé a ki ta dwe gen société a l'état ta dwe prendre en charge côté l'état dit qu'on y a c'est moi qui a fait l'école c'est sous l'ordre moi pour nous marcher et on l'école qui pas accepté respecter principe l'état mettait en place pour l'école fonctionner donc li pas capable fonctionner et c'est ça le ta doyer. Mm-hmm. Mais pour le fait faut l'état lui-même ta gagner plein pouvoir pour le faire ça. Mm-hmm. Ou pas remarquer l'école yo gagne plus pouvoir que l'état parce que yo ferme les ou vle yo ouvre les ou vle et yo, même curriculum l'état ba yo a yo pas fonctionne avec yo gagne propre curriculum pa ça veut dire pas grand rien. L'État, à travers le ministère de l'Éducation nationale, lui-même, li bay qui respectait la question éducation, le système là même. Moi, t'as dit en garder lycée, qui effectivement géré par l'État, qui ça cap passe en dedans aujourd'hui. Hein? Yo même yo pas qu'à respecter. Voir, pour t'as dit, au monde qui choisit faire l'école li, qui dit l'école ça c'est pour moi, elle c'est pour livrer. Des fois, même inspecteur là, pas qu'à venir dans l'école là pour venir demander certaines choses que l'État a mandaté. Ça veut dire le plus souvent nous dit gagnons pouvoir en dans pouvoir ça mais gagnons un petit pouvoir ça les pires que pouvoir central pouvoir ça chaque monde son chef exactement. Mm-hmm. Alors on nous font y garder ouverture des classes qui va venir là 9 septembre qui va venir là ça nous saute parler là au problème ça est toujours là inquiétude qui gagne pour formation professeur yo éducation qui n'est pas équilibrée, c'est de problèmes qui sont toujours dans le système. Non? Mais avant même, avant de parler de tout l'autre, on nous fait un petit garde question côté que nous avons essayé, ouais, l'école, yo, est-ce que bon temps l'école a dû monter ou du moins est-ce que l'école a dû monter chaque année? Je l'ai fait là parce que grand pile parents là qui a pris l'embrouille pour ça. D'accord, merci pour la question hein, encore une fois. Et dans la conjoncture actuelle, là, il est difficile pour nous parler de réouverture des classes. Ouais, ou ka étonné, oui. Parce que même dans pays qui, comme c'est un pays qui est en guerre,
L'école, c'est priorité. D'abord, il faut que nous allions à l'école, peu importe. Mais, regardez, les gens pas nous fait en Haïti. Là. D'abord, il y a un parent actuellement là, que moi-même, qui nous constate, qui peut prendre un canet. Pour quand même prendre un canet, oui. Imaginons comment on va le dire à l'école là, en septembre, le 9. Et l'État pas même créer conditions favorables. Parce que l'État n'a pas obligé de faire tout le bagaille. Nous dit ça. Mais est-ce que l'État a créé, comme si, est-ce que les conditions sont favorables pour l'école là ouvrir? Ou d'accord avec moi, on moun kap gade la, je dis en émission, ça l'a dit clairement que. Est-ce que moi-même en septembre, je vais vous dire à l'école pour gens et société à fonctionner, je dis. On nous dit, l'État qui est responsable de l'école fondamentale là, qu'il a de bâti moun yo gratis, est-ce que ça vous réuni? Nous dit non. Puisque vous pas réuni, eh bien, comment nous allons faire ouvrir l'école là? Lycée aussi, nous avons fait un coup d'œil là-dedans pour nous voir qui j'en ouye. Hein? Comme si, si moun nan qui te sorti année 2018-2019 là, qu'on n'a pas fait 2019-2018, même j'en étais là dans le lycée. Ça veut dire, même condition yo, et qui pas normal pour bon enseignement, apprentissage dans la classe. Maintenant, environnement yo tout, on garde tout autour de l'école yo qu'on y a. Mais comment on va l'apprendre si moun nan situation comme ça? Donc, nous mandé clairement, l'État, avant de réouvrir les classes, il faut créer des conditions, faut conditions réunies pour que les gens à l'école en bonne et due forme. Et puis l'école est passée pour augmenter. Ça, l'État est capable de faire. Mais l'État. Dis-moi, c'est pas vrai, intervenir. L'État a une loi qui aurait les lois. Et Bastien, si je ne me trompe pas, ancien sénateur, là, qui te dit clairement on l'école pas capable de monter. Dans le niveau ça. Et c'est si l'école qui monte presque à 100%. Vous pouvez comprendre? Les parents qui plaignent pour ça. Comment vous pouvez comprendre? On l'école aujourd'hui, on exemple, tu payes 25 000 gouttes aujourd'hui, on vient payer 50 000 gouttes. On paye de jour en jour, que nous ne savons pas qui ça pour nous faire. Et tout le monde prend l'école, mais à l'école comment? Et c'est si dans tout pays qui existe, on tout le monde doit aller à l'école. Il va obliger de l'argent pour aller à l'école. Donc, moun sa yo cap monter l'école yo nous d'accord avec nous c'est business à faire mais c'est pas formation à faire pour tout le monde. Je dis à un gouvernement à revenir ensemble avec toute préoccupation ça yo que vous êtes soulevé là qui ça qui t'a donné priorité pour éducation pays. D'abord ça t'a donné garder dans système. D'abord réunir acteurs. Tout acteur qui concerné dans éducation. Immédiatement réunir acteurs. Premier bagage là nous identifier problème mais nous ta rien mais c'est yo deal yo fin deal parce que c'est ça rôle on moun qui dans système là c'est d'abord identifier problème yo et proposer des pistes de solution. Maintenant est-ce que solution ça on fin proposer l'état pour prendre en compte nous ta dit oui faut que l'état prenne en compte s'il besoin effectivement gagnon système éducatif cap marché. Maintenant si a bien nouveau gouvernement nous t'a dit qui ça l'offin réuni moun yo si moun ki nan système éducatif là identifier formation ki yo t'a doué besoin pour permettre que yo même c'est pas l'argent réellement parce que c'est ça oui le problème son question d'argent qui ça me pral faire nan réouverture classe ça est-ce que c'est l'argent me pral faire ou bien c'est former me pral former ti moun mais nous dit l'état gen des desiderata que soit parent yo l'école yo l'État doit prendre en charge justement pour le permettre éducation qui n'a pas cherché à nous pas d'une éducation de qualité parce que Haïti par les conditions pas réunies pour une bonne éducation de qualité parce que environnement pas permettre ça mais plus ou moins acceptable côté nous qu'a dit si monde démuni qu'a formé en bas et l'autre monde qu'a formé puis au moins il a une base qu'on les rencontrer il a discuté ensemble. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que c'est pour d'abord, c'est pour me remercier. Mais m'a fini pour me dire avec téléspectateurs, téléspectatrices. M'a dit ça dans le commencement de l'émission. Société haïtienne, non, n'est pas capable de continuer à influencer l'école encore, influencer l'éducation encore. Côté ces parlementaires, qui a nommé, sous influence, qui a fait nommer les gens qui ne sont pas formés dans le système. Cap craser le plus mal.
nous dit on nous pas quitter société à influencer éducation, on nous quitter éducation influencer société à laisser ça n'a grande société côté plus ou moins nous capable fonctionner là-dedans. Nous te contacter on a émission l'interview jeudi. Merci. J'aimerais te dire dans commencement émission hein, c'est Wilfried Gilles lui-même qui s'est spécialiste en formation et en sciences de l'éducation qui était ensemble avec nous sur plateau l'interview jeudi. Restez avec nous sur télévision Pacifique pour suivre cette programmation.